Salut, salut, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver pour une vidéo. Haul, oui, scrap planner, tout ça faisait très longtemps. J'ai totalement craqué sur le site Craftelier. Premièrement parce que j'en avais beaucoup entendu parler. Deuxièmement parce que Lucille de la chaîne Deux Jolies Choses en a reparlé aussi récemment et je me suis dit, faut que j'aille voir un petit peu. Elle m'a d'ailleurs donné un petit code promo et tout, mais je crois que c'est plus du tout d'actualité maintenant, donc je peux pas vous le donner parce qu'il marchera plus. Sur leur site, il y avait moins 15% je crois si on achetait des choses de la marque Mambi, donc c'est le cas, j'ai craqué totalement que pour cette marque. Donc déjà, je vois sur ma facture un petit cadeau, une petite sucette, donc ça c'est très sympa. Une petite carte comme ça, trop mignonne. Et quand on dépassait les 50 euros d'achat, ce qui était mon cas, on avait une serviette. Une jolie serviette comme ça, toute rose, toute mignonne. Très scrap. Je sais pas si vous la verrez, mais vous avez même dessus, regardez. Voilà. Pour les fans de scrapbooking et tout, avec la petite desserte et tout. D'ailleurs, moi j'en ai une. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur ma desserte, qui est totalement dédiée à Mambi, n'hésitez pas à mettre un petit like et à me le dire en commentaire si ça vous intéresse. Donc voilà, la petite serviette. Et avec cette serviette, si on fait une photo sur Instagram, on a une chance de gagner quelque chose. On a une chance. Après, je vous dis pas que ça va être le cas. J'ai craqué pour des petites choses pour ma classe, puisque j'ai décidé cette année pas d'avoir un planeur spécial classe, planeur maîtresse, puisqu'il existe chez Mambi des planeurs maîtresses, mais moi j'ai pas eu envie d'en acheter un pour l'instant. Je suis pas sûre que ça m'intéresse pour cette année. Et puis j'ai déjà craqué pour un autre agenda de maîtresse que je vous montrerai très prochainement dans une vidéo. Du coup, j'ai juste craqué pour des petits éléments qui vont venir agrémenter le cahier journal que j'ai l'intention de faire en style Mambi. Vous comprendrez très prochainement quand j'aurai mis tout ça en place. Donc j'ai pris des feuilles comme ça, un peu de notes pour adapter dans votre Mambi, dans n'importe lequel d'ailleurs. Hein. Donc vous voyez, là vous avez le planeur et puis vous mettez vos feuilles de notes dedans. Donc peu importe le format que je ferai, ça ira s'intégrer à l'intérieur. Et j'ai pris ce petit kit-là, spécial maîtresse, qui est un kit... Alors qu'est-ce qu'ils nous disent? Vous avez des petits stickers pour... à coller un peu partout dans votre agenda. Vous avez un paperclip, donc une attache parisienne comme ça un peu décorée, des petits sticky notes mignons, et vous avez des pages de pareil, encore une fois, à mettre dans votre agenda de maîtresse. Comme je vous ai dit, moi j'ai pas les utilisés dans mon agenda de maîtresse, et une pochette même. Regardez, une pochette comme ça et des feuilles comme ça à mettre dans son agenda de maîtresse. Je vous mettrai des close-ups si ça vous intéresse. Mais en tout cas, voilà, c'est des accessoires pour planificateur, donc en fait dans son planeur Mambi. Mais moi, comme je vous ai dit, je les utiliserai dans un truc que je vais faire moi-même. Voilà, je sais pas si c'était clair. En tout cas, les planeurs maîtresse, prof, teacher sont en promo. Hein. Ils étaient un petit peu en promo sur le site. Vous avez quelques soldes, donc je vous invite à aller découvrir le site si vous ne le connaissez pas. Si j'ai un lien de parrainage, je vous le mettrai en barre d'infos, mais je ne suis pas sûre. Et pour finir, avant de vous montrer tous les stickers que j'ai achetés, j'ai craqué pour un autre Memory Planner. Donc c'est les Big Happy Planner. Vous savez, si vous me suivez depuis quelques temps, qu'avant j'avais le Happy Planner tout à fait normal, qui était daté, que j'avais utilisé pendant toute une année. Mais j'ai découvert les Memory Planner où vous mettez les photos de vos enfants, les photos de votre vie un peu quotidienne, votre... Voilà. Ils sont très grands à l'intérieur. Et du coup, j'en ai repris un en promo aussi, parce que ça, je sais que le mien, eh ben, il est au mois d'août. Enfin, il est au mois d'août, n'importe quoi. Je suis arrivée au mois de juillet, j'ai commencé en janvier, donc... Je me suis dit, comme il est en promo, ben je le rachète pour l'année prochaine. Celui-ci, donc c'est cette version-là. Là, qui... Donc voici la page de couverture, rose, mignonne. J'essaierai d'acheter la prochaine fois des anneaux un peu métalliques pour les changer, parce que c'est vrai que ça sera peut-être plus solide, surtout que c'est des memory planners que j'ai envie de garder longtemps, puisqu'ils font office d'album en même temps. Et à l'intérieur, je vous montre juste une page pour vous montrer. Donc il y a les pages mensuelles et il y a les pages par semaine, que vous allez décorer avec des petits textes, des photos, et je vous montrerai de toute façon le mien qui est en cours en fin de vidéo pour vous montrer un petit peu ce que ça rend, et vous mettez vos photos, vos petits textes et tout ça. Donc moi j'en suis fan, j'aime beaucoup celui que je fais déjà, et du coup j'en ai racheté un pour janvier prochain. Et dans ce fameux memory planner, le mien que j'utilise vraiment toutes les semaines, que je remplis, j'utilise pas vraiment en planner, mais vraiment juste pour une petite trace de tout ce qui se passe dans nos vies avec mes enfants. Et du coup j'utilise même ma petite Canon selfie pour imprimer mes petites photos, et j'utilise les blocs de chez Happy Planner. Et je me suis rendu compte, j'utilise aussi beaucoup de stickers de chez Action, etc. Mais je me suis rendu compte que quand même ceux-là, ils sont juste
divin, ils rentrent pile poil, ils sont faits pour ça, hein, de toute façon. Et puis surtout, il y a du choix, il y a pas mal de trucs. Du coup, bah, j'ai craqué parce qu'ils étaient en promo, au lieu de 20 euros, ils passaient à 15. Et voilà, j'avais envie de me faire plaisir. Hein, La fille qui a totalement craqué, donc pareil, je vais essayer de vous mettre après en vue d'en dessous pour que vous voyez. J'ai pris deux, je crois, sur Teacher. Attendez, je vérifie avant de dire des bêtises. Ou non, j'en ai pris qu'un, je crois. Parce que j'en ai déjà un, donc j'en ai pris un bloc spécial Teacher, donc c'est les règles d'enseignants. Il se présente comme ça, à l'intérieur vous avez plus de 786 stickers, il est juste magnifique. Et comme j'en ai déjà un, je me suis dit que celui-là il allait le compléter. J'ai regardé sur YouTube des vidéos qui l'ouvraient pour voir un peu comment ça allait être et comment ça allait rendre pour avoir un peu de choix quoi. Vous avez voilà ça, par exemple c'est des petits stickers aussi que vous pouvez mettre dans votre Happy Planner, qu'ils soient grands ou pas. Des petits mots, des stickers, voilà, pour agrémenter. Je me suis dit que celui-ci bah, il agrémentera aussi mon bullet journal, enfin mon bullet journal, n'importe quoi. Si, mon bullet journal de l'enseignante et mon cahier journal que je vais préparer moi-même. Donc il a pas mal de stickers, il est vraiment très beau. Et comme voilà, 780 stickers, ça vaut le coup. J'en ai pris un autre qui s'appelle Happy Illustration, donc illustration gay. Voilà, j'ai trouvé mignon aussi encore une fois avec pas mal de choix. Je vous montrerai dans ma desserte les miens, ils sont déjà beaucoup usés, beaucoup. Je les utilise vraiment tout le temps, donc je me suis dit qu'il fallait que je m'en rachète. Et là en promo, ça valait le coup. Et celui-là, il a des petites couleurs un peu arc-en-ciel, comme ça, il est tout mini. Les petits animaux. Ah, il y a pas mal de petites choses. Des petits fanions comme ça avec des petits mots. Ils sont très beaux. J'ai craqué pour le Année Heureuse, Happy Year. Celui-ci, c'est j'aime bien ceux qui sont sur l'année en fait, parce que comme ça vous avez un petit peu de tout pour le printemps, l'été, pour les saisons en fait, à chaque fois, pour Noël. Donc ça vous permet de l'utiliser vraiment un peu toute l'année. Donc il y a des grosses fleurs. Il y a ça, voilà, pour l'été. Très joli, encore une fois. Oh, ça c'est trop craquant. Ah bon, il y a de quoi faire pour l'été. Vous avez pour Halloween, donc voilà, pour vos pages d'Halloween, à ce moment-là, si vous, moi je vais mettre des photos de mes enfants déguisés, par exemple, je pourrais agrémenter de ces petites pages-là. Et pour l'hiver, enfin, ils sont très beaux. Et vous avez bien sûr des petits mots aussi en foil. Ensuite, j'ai pris le tout simplement adorable. Alors celui-ci, il m'avait l'air très sympa au niveau des petits stickers qu'il proposait. Donc il y a des petits mots. Il y a des fleurs. Il y a pas mal de fleurs, tiens. Des petites fanions de lumière comme ça. Ça, j'adore ça. Ça, j'adore les utiliser dans mon memory planner. Là. Pff, j'adore. C'est tellement pratique. En plus, ceux-là, ils sont vraiment bien. Il n'y a pas trop de listes. Parce que dans un que j'ai acheté, il y avait beaucoup de listes. Là, il y a quelques listes. Mais voilà, il n'y en a pas trop. Parce que bon, on en utilise, mais pas à 50 milliards. Quoi. Donc, c'est pas mal du tout. Je vous passe assez vite. Hein. Je m'en excuse. Celui-ci, il a plus de 813 stickers. Qui sont tous plus beaux les uns que les autres. Il y en a aussi qui sont... Voilà, ceux-là, ils sont un petit peu en transparence, en fait, quand vous les collez. Donc, ils sont plutôt... pas mal, j'ai hâte de les utiliser. Et le dernier que j'ai pris, c'est Supermom, donc livre d'accessoires bah, maman quoi. Je le trouvais plutôt pas mal. Alors attendez, comment il s'ouvre? Ah, comme ça. Ah ouais, d'accord, celui-là il est pas fait pareil. Regardez, il s'ouvre comme ça. Oh, c'est trop classe. Donc là vous avez une liste comme ça, do all of the things. Vous avez des petits sticky notes avec les... oh là là, j'adore. Et là, tout ce qui est stickers. Et je sais pas combien il y a de stickers dedans. Mais il y en a pas mal. Et du coup, ils ont l'air vraiment sympas. Bon, vous avez vu les couleurs, c'est juste magnifique. Oui, désolé, hein, je voulais vous prendre au-dessus, mais finalement, je me suis laissé emporter comme ça. Donc, c'est pas grave, hein, vous voyez ma tête au passage. Donc, il y a pas mal de petites choses intéressantes. Superman avec des cafés, les rendez-vous, hein, ça j'adore. Rendez-vous chez le médecin et tout. Bon, celle qui a un planeur, organisation de la vie familiale, ça ira très bien aussi. Moi, je ne le mets pas spécialement. J'aime bien aussi ceux-là, les petites étiquettes comme ça, où il écrit Hello Weekend. J'aime bien les mettre aussi dans mon memory planner. Et alors, celui-là, ce qui me plaisait aussi, c'est qu'à la fin, vous avez aussi des petites dames.
à mettre dans votre planète. En fait, je trouve ça trop mignon, trop parfait. Donc, je suis conquise par ma commande. Je vous laisse liker cette vidéo si vous avez beaucoup aimé ce que j'ai acheté. Si vous voulez d'autres vidéos sur ce domaine-là. Et je vous mets cette fois-ci de l'autre côté pour vous montrer un petit peu mon memory planner. Quelques petites pages pour vous donner un aperçu de ce que je fais avec tous ces petits produits-là. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à liker, à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et surtout à me dire si vous souhaitez des vidéo planner, memory planner en action. J'aimerais bien en faire un petit peu plus, mais ça ne serait tardé. C'est juste qu'il faut que je m'organise et tout ça. Et tout ça, ça prend un petit peu de temps. Hein. Donc, je vais essayer de faire ça au mieux. Voilà. Alors, voici celui que j'ai en cours. C'est Life is Beautiful. Il est vraiment très sympa au niveau de la présentation. Et voilà, par exemple au mois de janvier, pour ma première page, j'avais fait ça. Donc j'agrémente de petites photos comme ça. Celles-ci viennent du site Lalalab. Et après, j'ai acheté la Canon Selfie. Mais au départ, voilà, je faisais avec le site Lalalab. Donc si vous n'avez pas d'idée, vous savez pas quoi faire, vous pouvez utiliser le site Lalalab pour cela. Moi, je suis plutôt fan de ce site-là et j'imprime souvent mes photos là-bas. Mais maintenant que j'ai la Canon, j'imprime aussi avec ma Canon, ce qui me permet de faire un peu plus au fur et à mesure. Donc là, par exemple, vous avez une amie qui était enceinte mais qui a accouché, mes enfants, mon mari. Puis après, j'ai vraiment de petits textes comme ça que j'ai dans mes... Les petits stickers que j'ai dans mes Mambi ou chez Action quand j'ai pas envie de prendre dans mes Mambi. Et je mets un petit peu tout ce qu'on a fait dans cette semaine-là. Je vous montre une page du mois de février par exemple. Ici voilà, on avait fait des gâteaux, donc j'ai mis des petites photos de gâteaux. Ça c'est un sticker de chez Mambi que vous avez dans un des carnets. Là vous voyez aussi celui-ci. Là on avait été à la plage, donc j'avais mis une petite photo avec mes enfants. Voilà, j'aime pas mal. Là c'est quand j'étais encore enceinte, hein, donc en février, en fin de grossesse. Donc je vais vous montrer à peu près une page par jour. Je vais vous montrer une page par mois plutôt et pas une page par jour. Ici pour ce mois de mars par exemple, là bah, j'avais eu une bonne nouvelle. J'avais su que je venais de savoir que j'avais été mutée dans le nord. Là c'était la rencontre avec un enfant qui est né près de nous, de nos amis. Là c'est ma petite Nini de la chaîne Les Folies de Nini qui a eu son petit garçon. Là il y avait l'arrivée de ma maman et voilà mes enfants. Au mois d'avril, comme vous pouvez constater... C'est plutôt estival, hein. J'avais mis des petites couleurs, ça c'est que des kits d'action, donc voilà, j'alterne des fois, j'utilise mes kits d'action et des fois j'utilise mes kits Mambi. Ici c'était une période beaucoup d'anniversaires après la naissance de mon fils aussi, les anniversaires de mes enfants, donc je passe rapidement, mais voilà, j'ai utilisé cette fois-ci des stickers action. Sur cette page-là, du mois de mai, si je ne me trompe pas, voilà, mon fils, il a eu un mois. Encore une fois, j'ai utilisé des stickers action. Là, ma fille a été partie au restaurant, donc elle était ravie, on était parti à Vapiano. Ici, des stickers de Mambi, hein, ceux-là aussi, les fleurs et tout, voilà. Là, ma petite Ella de la chaîne Ella Rayon de Soleil, qui apparaît donc dans mon memory planner. Mes trois enfants, ouais, j'essaie de... Parfois, j'ai beaucoup de photos, parfois, j'en ai moins. Ça dépend de mes semaines, ça dépend ce que j'imprime. Pour le mois de juin, je vous montre cette page-là, qui est encore une fois pas trop de photos. Des fois, il y a des pages où j'ai beaucoup, beaucoup de photos. Des fois, il y a des pages où j'ai pas trop de photos. Un petit peu de texte, voilà. Toujours des stickers. Ça, c'est Mambi. Mambi, ça doit être, je sais plus où j'ai vu ça. Non, ça, c'est Action, je crois. Donc voilà, je mélange un peu les deux. Là, c'était plutôt estival puisqu'on est au mois de juin. J'ai pas commencé le mois de juillet, donc je vais m'arrêter là. Mais si vous voulez un petit peu voir la suite, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu, comme je vous ai dit. N'hésitez pas à liker et à me dire votre avis en commentaire. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très vite. Salut !